Lorsque tu es avec ton gars dans la chambre, tu es pour ou contre les fessées pendant là? Je sais pas. Genre les petites gifles sur les fesses et tout et tout. Non, 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 non. Tu n'es pas pour ça? Je sais pas. Tu peux faire du classique, genre. Est-ce que ça fait monter la grenade? Ça dépend. Contre. Pourquoi contre? Je sais pas, mais c'est de la violence et... Non, c'est pas genre il te massacre, non, il te fait juste quelques petites tapettes sur les fesses et tout. Je sais pas. Je suis pour. Pour? Oui. Genre quand ça tape, ça fait vraiment les bruits là. Là tu te sens, tu voyages, ça te fait un peu voyager. Oui. Lorsque tu es avec ton gars dans la chambre, tu es pour ou contre les fessées pendant là? Je n'ai pas de gars. Tu as quand même eu un gars. Pas de gars. Tu n'as jamais eu de gars. Non. Ne nous manque pas. Je manque comment? Okay. Comment ça? Je vais dire quelque chose que je ne fais pas. Ne nous manque pas. Pour les fessiers. Il y a quelques petites tapettes sur les fesses comme ça. Oui, oui. Ça fait augmenter l'extase. Non, mari. Ça fait voyager. Non, mais c'est une sienne. Ça va. Non, je suis pas une sadique. C'est pas la chicotte qui va prendre la chicotte pour te fouetter avec les fessiers, j'avais quelques petites tapettes sur les fesses. Je suis contre, je suis contre. Contre. Certaines filles, elles prennent du plaisir lorsqu'on les fesse. Ouais. Lorsqu'elles font l'amour avec un homme, elles aiment qu'on les prenne par le cou, on les fasse du mal, quoi. Mais bon, c'est pas mon cas en fait. Pas du classique. J'aime quand c'est doux, pas violent. Ouais, c'est ça. Je te remercie. Monsieur. Ouais, merci. Continue. Bonjour ma chérie. Bonjour. Moi c'est Francky. Oui, moi c'est Dorine. Enchantée. Très belle. Merci. Tu peux faire un tour pour nos abonnés qu'on filme la beauté. Qu'on filme la beauté camerounaise. Oh, bon, c'est vous qui attirez les touristes dans notre pays, je t'assure. Il y a tellement les touristes qui arrivent depuis un certain temps à cause de la beauté camerounaise. Alors nous voulons savoir, et nos internautes aussi, lorsque tu es dans la chambre avec ton gars, tu es pour ou contre les fessées pendant la... Déjà, les petites tapettes sur les fesses comme ça et tout et tout. Tu es pour quoi? Le gars, si. Bon, ça dépend, non. Chacun a ses fantasmes. Oui. Il y a ceux qui aiment bien se faire bastonner pendant l'acte sexuel. Il y a d'autres qui ne sont pas pour. Bon, c'est pas quand même bastonner en tant que tel. C'est juste quelques chose. Petites fessées là. Non, moi, je trouve ça une bastonnade. Oui. Bon, pour moi, je suis contre la violence déjà. Donc... Oui. Moi, je trouve ça être trop violent et je sais pas. Donc, tu préfères du classique, oui, genre, classique, et vous couchez, vous faites comme ça et puis sans pas de nouveau. Et tu tombes bon, sur un gars qui... Il y a beaucoup de nouveautés dans le classique. Dans... Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Ah bon? Oui. Comme quoi, comme déjà ça, les pour essayer. Bastonnades, quelqu'un peut confondre une gifle avec un coup de poing et ça passe en même temps. Une gifle et un coup de poing. Ça veut pas ça, même temps, donc... Vous voulez mieux ne même pas essayer. Même pas essayer. Mmh. D'accord. Et si tu tombes sur un gars qui tape un peu bien, non, qui. Il va s'adapter à mon rythme, sinon. Tu vas lui dire que non, c'est pas comme tu veux, ça va pas marcher. Je te remercie, monsieur. Merci. Ça, c'est maintenant une question osée. Tu vas répondre. Ça dépend. Voilà. Ça. Quand tu es dans la chambre avec ton gars, tu es pour ou contre? Je sais pas. Tu sais pas de quoi il parle. Tu es pas encore entré dans la chambre avec un gars. Avec mon père. Il voulait me montrer le jouet qu'il a acheté. Il voulait te montrer le jouet qu'il a acheté. Donc tu n'as pas encore eu un gars avec qui tu es allé dans la chambre. Non, hey, je suis trop jeune pour ça. Non, mon. Oui, pas avant le mariage. Pas avant le mariage, c'est ce que la religion dit. Tu es chrétienne. C'est ce que mon père m'a dit. Non, c'est aussi vrai, non. Ton père, c'est ton Dieu sur terre. Non, tu peux aussi dire que tu crois à ton père, c'est normal. Non, c'est mon père qui m'a dit, c'est tout ce qui est. Donc, c'est ce que ton père t'a dit. Oui. Mais c'est après le mariage que c'est bon. Oui, c'est après le mariage qu'on connaît les hommes. Avant le mariage, là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ok, je te remercie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Diane Thérèse. Enchantée, Diane. Ok, merci. Alors, tu es de quelle tribu au Cameroun, si ça ne te dérange pas?
Bon, je suis de l'Ouest, précisément Anchan. Est-ce que tu peux dire bonjour Anchan à mes amis? Je suis là. D'accord. Alors, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, tu es pour qu'on les fessé pendant l'acte? Déjà, tu avais ton gars dans la chambre, tu vois un peu, quelques petites fessées comme ça, les tapettes sur les fesses et tout, tu es pour ou contre? Contre. Contre comment? Ah, parce que ça me plaît pas trop. Il y a une fille qui m'a dit que c'est le moment pour le... que c'est en ce moment-là même que tout devient intéressant. Donc, ah, c'est son point de vue. C'est son point de vue, hein? Oui. Ok. Donc, toi, tu es contre? Oui, oui. Tu es pour le classique, genre, on se couche dans la couverture, on tourne, c'est ça? Mm-hmm. Oui, oui. Je te remercie, ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Mérive. Enchanté. Plaisir. Alors, si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, nos internautes aussi. Selon toi, tu es pour qu'on les fesse pendant l'acte? Pendant l'acte. Déjà, tu avais ton gars dans la chambre, quelques petites tapettes comme ça. Oui, oui. Pour? Pardon? Tu es pour ou tu es contre? Non, je suis pour. D'accord. Moi, pourquoi? Parce que c'est bien. Ouais. C'est plus excitant. Ça permet d'atteindre très rapidement le septième ciel. Oui, oui. D'accord. Je te remercie, ma chérie. Ok. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Sharon. Enchantée, Sharon. Avec plaisir. Alors, déjà, tu es de quelle région au Cameroun? Je suis Bamileke. De quelle tribu? De quelle région? De l'Ouest. L'Ouest Cameroun. Où exactement? À Tchang. Ok. Comment est-ce qu'on dit bonjour à Tchang? Tu dis à mes abonnés. En Tchang, on dit Pézé. On répond Mouzé. D'accord. Alors, si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, et nos internautes aussi. Lorsque tu es dans la chambre avec ton gars, tu es pour ou contre les fessées pendant l'acte? Déjà, les petites tapettes sur les fesses et tout. Est-ce que tu es pour ou contre? Non, je suis contre. Pourquoi contre? Je sais pas, ça renvoie un peu au vulgaire. Un peu comme... Moi, je vois ça un peu comme s'il me traitait d'une prostituée. Puisque c'est plus souvent chez les prostituées qu'on voit un peu ça, en fait. On voit un peu ça. Voilà. Parce qu'il y a une fille qui m'a dit tout juste là que c'est vraiment le moment où elle sent que la le rapport est en train de bien se passer. Non, chez moi, ça a un peu trait à la possession. Oui, ça a une connotation un peu négative. Voilà, pour moi, en fait. D'accord. Je te remercie. Merci. Moi, c'est Prisca. Enchantée, Prisca. Un beau prénom, Prisca. Merci. Alors, tu es de quelle région au Cameroun, Prisca? Je suis du Nord-Ouest. Est-ce que tu peux dire bonjour en ta langue maternelle pour mes abonnés? Osake. Et on répond? Osayuka. D'accord, je te remercie. Alors, si nous t'accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube et nous voulons savoir, nos internautes aussi. Quand tu es dans la chambre avec ton gars, est-ce que tu es pour ou contre les tapettes là, donc contre les fessées pendant là? Genre, le gars te donne un peu des tapettes sur les fesses comme ça et puis, est-ce que tu es pour ou contre? Je suis contre. Pourquoi? Parce que juste, je n'aime pas ça en fait, parce que là, ça fait partie d'une brutalité. Et du coup, moi, je n'aime pas ça. Et je n'apprécie pas les hommes qui font ça. Oui, mais il y a une fille qui m'a dit que c'est le moment même que ça commence. Donc, quand ça arrive à ce niveau-là, c'est même là que l'acte commence à devenir intéressant. Ah oui, chacun a sa part de façon, tu vois. Pour elle, elle est bien, mais moi, je ne suis pas confortable. Non, tu n'es pas confortable. Oui, okay. Ça ne me plaît pas du tout. D'accord, je te remercie. La voix des sans-voix, le clairon de conscience africaine.